Ève Monlibert. Vous êtes une des figures incontestées de la communauté française installée ici, à Vienne. Quelle heure est-il ? Oh là là, ça passe à une vitesse ces journées. Vous êtes connue comme l'épouse de l'illustre Henri Monlibert. Allô, Maduva. Nous, on forme une communauté, on est soudés. Et si nous arrivait quelque chose, on s'en parlerait, on se rentraînerait. Vous êtes encore pour 2 ans à Vienne ? Mais oui. Mais c'est formidable ! Ah, on est très contents. Oh, mais je suis folle de joie ! Comment fait-on pour gérer tant de bonheur ? On arrive à garder les pieds sur terre ? Vous savez où est passé Henri ? Je crois qu'il est allé voir les enfants. T'es encore debout ? Bah oui, comme tu vois. Chérie, c'est pas la première fois que je suis accaparé par le train. C'est sûr. Je te sens très loin de moi. On fait des trucs chacun de notre côté. Je suis là, je suis près de toi. T'es sûr qu'elle se doute pas d'un truc, ta femme ? Tous les parents d'élèves ont reçu un mail de la maîtresse de Malo qui ne nous était pas du tout destinée. Ça veut dire qu'elle entretient une liaison avec un papa de l'école. Je me demande bien qui sera l'heureux élu. Tu sais, Malo, jamais on ne se séparera avec ton père. Je chamboule tes plans. Non, pas du tout. C'est ça qui t'intéresse, en fait. Le prestige, les apparences.